Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, et comme pour le voir, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Mechanicus. Donc, dernière mission, j'avais tué le... c'était le seigneur de Acropolis, d'ailleurs, je me suis aperçu que c'était le deuxième seigneur. Le premier, c'est de Acrolec. Mais lui, on va s'en occuper plus tard. Et là, j'ai envie d'aller faire un tour du côté du secteur de Ubjao. Donc, j'ai une petite mission, là. Avec les écorcheurs. En plus, ça va permettre d'améliorer mes serviteurs niveau 2. J'ai quelques pierres noires à utiliser. Qu'est-ce que j'allais faire? J'ai lui qu'il faut que j'améliore en rang 8. Donc le médecin, enfin le prêtre. Hop. Ok. Maintenant, il va gagner 2 PV supplémentaires. Du coup, j'ai rien à lui mettre. Il a gagné un emplacement, mais... j'ai trop rien à lui faire. Cure ratio guéri 2 PV. Je pourrais peut-être lui donner un truc qui... pas donner ça en double. Ah si, on peut faire ça en double. Je suis pas sûr que... Non. J'ai plutôt... Voilà, guéri de 2 PV. Pourquoi ça marche plus? Ah oui, ça va en bas plutôt. Voilà. Bah ça me laisse un emplacement. Grille de PV. Ouais, on va voir ce que ça fait. Si ça peut donner plus de points de vie. Enfin, plus de guérir plus de... Si c'est plus de pouvoir pour guérir, c'est pas mal. Et du coup, là, je peux pas améliorer mes autres unités parce qu'il me manque 20 de pierres noires. Ok. Ah oui, j'avais vu que ceci... Ah, le problème c'est que voilà, ça c'est une amélioration de ce que j'ai du... Alors au mieux de me donner 25% de chance d'infliger un coup critique, là j'en ai 50, mais sauf que j'ai besoin de 2 augmentiques pour pouvoir le faire. Bon, ok, tant pis. Et là de ce côté, ok. Alors du coup ce côté... Je vais plutôt... Ça j'utilise jamais, je vais plutôt donner ça à lui. Voilà. Et on va aller du côté du secteur de Ubjao. Alors confinement, Sudomnika Kepra nous signale que les attaques d'écorcheurs nécrons sapent le moral des Skitari dans le tombeau d'Ubjao. Freiner l'afflux d'écorcheurs dans la partie supérieure du tombeau. Et je vais gagner quoi? Pistolet gamma. Ok. Masque de la mort, immortel nécron, écorcheur, guerrier nécron. Ah bah du coup je vais avoir assez d'argent pour... Ah oui. J'ai bien envie de tester ces petits soldats, j'ai toujours pas à tester. Et du coup on va prendre cela, tant pis pour les jeux, voilà, on va... Ok, on est bon. Nous arrivons à peine à résister dans le tombeau de Ubjao. Des nuées d'écorcheurs surgissent des niveaux inférieurs, nos soldats nous reviennent sous forme de peau portée par ces choses. Nous devons maintenir l'ouverture du tombeau. L'infamie de cet endroit ne doit pas nous empêcher de terminer notre mission. Ce n'est pas par caprice que nous enfermons toutes nos émotions, Magos. Mais Skitari ne peuvent pas combattre dans de telles conditions. Si le moral se dégrade encore, nous perdrons le tombeau.
J'ai bien conscience du niveau du moral du personnel moins augmenté. Il faut résoudre cette situation. Il va donc falloir stopper l'afflux des corcheurs, sinon nous finirons enterrés ici, nous aussi. Ok. Les niveaux inférieurs grouillent d'écorcheurs. Si nous bloquons l'un de nos principaux points de passage vers ces niveaux, nous les ralentirons et pourrons mieux leur faire face. D'après la doctrine de mission, une corde pourvue de charges explosives sera une solution viable. C'est exactement ce que je pensais, Magos. Ce n'est pas seulement le danger couru par mes hommes qui m'inquiète. Lorsque vous voyez l'ennemi porter les peaux de vos camarades, vous comprenez que la mort n'est pas ce qui peut vous arriver de pire. Je crois que les écorcheurs, c'est des nécrons qui, je crois qu'ils ont l'impression d'être encore vivants, d'être encore des êtres de chair, et c'est pour ça qu'ils se mettent de la peau morte sur eux. Et donc là c'est un combat obligatoire. C'est quoi ça? Trouver et tuer tous les écorcheurs. Donc je suis obligé de passer par là. Ah oui, il y a deux combats. Hein. Je vais passer par là. On va pas perdre de temps. Oh là! Oh, c'est encore plus dur. De nombreuses portes femelles sont visibles sur la coupe externe de ce panneau Nécron. S'y brancher pourrait peut-être améliorer les performances des équipes. J'ai une chance sur trois. Cool. De nombre, ok. Donc j'ai gagné quoi? Bah guéri de 4 PV, ouais, c'est cool mais... Il était déjà en pleine forme. Il n'est pas étonnant que certains des nôtres se soient déjà perdus dans l'autre tombeau. Les nécrons utilisent la folie comme une arme. L'accès au niveau inférieur du tombeau passe par une chambre dont les murs sont recouverts de marques de griffures, témoins d'une fureur, d'une agressivité qui ne peuvent qu'être le résultat de la folie. L'un des Skitari a-t-il perdu l'esprit dans le tombeau d'Ubjao? Cherchez l'infortuné responsable de ces marques au cas où il pourrait être sauvé. Ouais. Contournez la chambre sans vous préoccuper des inscriptions griffonnées. Éliminez les mots griffonnés afin de mieux comprendre la condition de... on va ignorer. Ouais, je préfère... La corde privilégie la vitesse à la minutie et quitte la chambre. L'histoire du fou disparu ne sera jamais racontée, finissant dans les ombres nocives du tombeau. J'ai perdu. Ils ont perdu en initiative, c'est très bien. Même si vous appréciez l'horreur de la découverte d'un tel lieu, Magos, il est en train de saper le moral de nos forces. Une vague d'écorcheurs a souillé cette chambre avec de la chair et des bouts de peau. On dirait bien que l'endroit a été utilisé pour démembrer les scores des Skitari tombés et transformer la chair récupérée en linceul parcheminé porté par les écorcheurs. On ne peut laisser cet endroit ainsi. Faire s'effondrer la chambre, au moins elle peut servir de sépulture décente au reste des soldats tombés, ok. Brûler les restes, au moins ils ne souilleront pas plus le tombeau de leur présence. Bénir les restes grâce à des rites de repos éternel pour que leur âme puisse rejoindre l'infinité et le Messie. On va immoler. Hein. Ah, 3 de PC, c'est très bien. Des gerbes de flammes généreuses appliquées réduisent ces pitoyables restes à l'état de cendres et de poussière. Ces petites zones du tombeau d'Ubjao est purifiée. Et cette action s'est avérée aussi réconfortante que des prières. Ok. Bah, je vais bien envie d'aller voir ce que c'est ça. Super. J'y attendais. Ok, donc ça commence direct comme ça.
Écorcheur, tuer tous les ennemis. Écorcheur, guerrier nécron. Ah ouais, la vache. Il est monde, hein. Et là, les écorcheurs, ils vont au cac. Hein. Ok. Pour le coup, j'aimerais bien avoir un peu de renfort. Alors, par contre là c'est pareil, les points c'est pas trop ça hein. Je vais relever cette tête de ça. Okay. Je suis pas sûr qu'ils aient des armures les... Ah oui, lui il est bien, bien blindé. Du coup j'ai des guérisons gratuites, ça c'est pas mal. On va faire feu sur lui. Ah ça c'est très bien. Voilà, on va arriver au stade de ces messieurs. Ok. Parfait, ils sont pas très solides les écorcheurs, c'est ça qui est bien. Ah c'est vrai qu'ils se téléportent, j'avais complètement oublié. Aïe, ça va faire mal. Dégâts absorbés. Cool. Non, je vais garder mes points. Donc lui il bouge maintenant. Ok, dégâts absorbés c'est pareil, c'est très bien. Comment c'est ce qu'il a pu jouer deux fois lui? Alors attendez, toi t'as 6 points de dégâts et non. Non. Non.
j'ai déjà dû faire ça dans la gueule. Je peux avoir les trois. Alors. Ah, il y a quand même 14 points de vie. Hein. Portée. Ok, un point de dégâts, c'est magnifique. Alors, ah putain la vache, ça va prendre du chemin. Je vais essayer de les contourner. Ah merde, je vais pas y avancer si proche. Il va me tirer dessus. Oh, tant pis. On va les garder. Ah vache, il peut me tirer jusqu'à là lui. Ça va, je fais pas chier. Éviter. Oh, trop bien. Oh, il l'a évité. On va se mettre. J'hésite. Oh, il reste plus qu'un point de vie, lui. C'est très bien, ça. Alors, toi, dégâts. Ok. Et. Ah, oui, d'accord. Énergétique, lui. Et lui, c'est. Ok. Ce que je vais faire, je vais me planquer ici. Hop. Ah, ouais, ça, il va absorber. Ah. Bon, tant pis. Ça va faire mal, ça, non? C'est bon. Alors, un point de connaissance. On va prendre celui-là. Je vais prier pour Mister. Voilà. Critique dans la figure, fait toujours du bien.
Il peut tirer loin, lui. Allez, tu me l'achèves. Et pour le coup, je vais le faire reculer. Parce que j'ai pas envie qu'il meure. Voilà, parfait. Et pour le coup, hop, je vais me mettre. Ah, j'ai une chance sur deux de louper son... enfin qui loupe son tir sur moi. Bon, ça va, 3 points de dégâts. Ah, ça par contre, ça va faire mal. Ah, oh, c'est bon. Ça a été absorbé. Il va l'absorber. Je le tue. Et lui, je le crame. Là. Je sais plus combien de PV il a perdu. Ah, et du coup, ah, si je lui donne ça, ça lui a, ça. Foiré, il est protégé par le truc. Ah, super. Ça va être compliqué là. J'ai envie d'utiliser mes quantiques, faut que je les garde pour plus tard. Parce qu'il y a encore deux batailles après. Hein. Non,
on va aller récupérer ça. On va prier pour lui. Et tue-le moi là. Parfait. Très parfait. Toutes les formes de vie de Xenos ont été purgées. 52 pierres noires. Toutes les unités guérissent à hauteur de 1 PV. Ah, oh, c'est très bien ça. Et vers réduit de 3. Cool.